Eh bien, salut à toutes et à tous, même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, découverte d'un parc d'attractions d'un abonné. Ce parc s'appelle Time Travel Park, le parc pour voyager dans le temps. Il a été créé par PC Création et il a été fait en 3 mois pour un concours d'ailleurs. Gros big up Banaïf. Et voilà donc ce parc d'attractions que nous allons visiter, qui a été fait en 3 mois. C'est une pure pépite. Alors il l'a pas fait tout seul, hein, PC Création. Il l'a fait avec Twelake 69 pour notamment 3 layouts. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, les gars, et ben on va mettre le jour. Je sais pas du tout si le parc est fait pour être vu de nuit ou de jour. Je pense plutôt que c'est, vu les lumières, c'est fait pour être vu de nuit. Mais j'aime bien un petit peu regarder d'abord, faire un petit tour très visuel sur le dessus, voir de jour un peu à quoi ça ressemble, et puis après par la suite on se remettra dans la nuit, vous inquiétez pas. Mais ça permet un petit peu de voir, voilà, il y a un coaster ici, très très bien. Bah écoutez, on va se mettre en vue visiteur, on va se mettre dans ce grand parking, vraiment sympa. Je complexe un peu quand je vois ce parking, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est un vrai parking, mais attends, mais c'est un parking pour des bus. C'est un parking pour des bus, ça. What? On arrive, welcome, bienvenue, on a... Oh, Treehouse Hotel, ok, il y a un hôtel par ici. Alors attendez, on va commencer par l'hôtel. On a des bornes de recharge électrique, bien sûr, très important. Treehouse Hotel, oh, voilà le petit hôtel. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ou pas? Non, on peut pas rentrer, évidemment. Ça aurait été incroyable, hein. Ça aurait été incroyable, mais faut peut-être pas exagérer. Les gars, en 3 mois, ce qu'ils ont fait déjà, visuellement, ça a l'air fou. Donc j'ose pas imaginer quand on va rentrer à l'intérieur. On va mettre la nuit, du coup, 18h. Oh, ça va être beau avec le coucher de soleil, comme ça, voilà. Ok. Voilà, comme ça il fait un petit peu lumineux quand même. Petite musique d'ambiance, petit accueil d'entrée ici avec fontaine, les toilettes ici, toilettes femmes, toilettes hommes. Ah mais ils ont vraiment fait l'intérieur en plus. Non mais c'est une blague. Je suis rentré, par curiosité je suis rentré, ils ont vraiment fait l'intérieur. Très très bien, d'accord, ok. Ah ouais, avec miroir et tout. Ils ont utilisé quoi pour les miroirs? On est là pour ça, hein. J'essaye de plagier quand même. One way glass, ok d'accord, c'est une glace directement, c'est un vrai miroir. L'épissoir juste ici. Oh. Eh, faut que je vole des petites idées là pour mon parc un peu quand même. Ah mais ils ont fait ça avec des formes géométriques directement. Cylindre et tout, d'accord, tout simplement, d'accord. Ok, stylé. Très 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 stylé. Alors là on peut acheter nos tickets juste ici. Ticket price. Oh. Ok. Une fois que t'as acheté tes tickets, bien sûr tu rentres par là. La porte des étoiles carrément. La porte pour voyager dans le temps. Le secret de la révolution industrielle. Voilà, je vous traduis pour ceux qui ne savent pas. Et là on a nos retraits pour récupérer nos billets si on n'a pas d'argent liquide. Ok, allez, on rentre. C'est la magie du parc. Il y a plein de personnel qui travaillent déjà. Une boutique ici. Oh là là là, putain, c'est complet quand même. Oh, oh là là, je vais complexer de ouf par rapport à mon parc, hein, mais c'est pas grave, on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes projets. Ah ouais, non mais c'est, regardez-moi cette boutique comme elle est ultra complète. Oh. Ah ouais, moi qui disais que je voulais pas faire ça, d'un coup je me dis ah waouh. Excusez-moi, là je me suis cru dans mon parc, je suis en train de tout retoucher, excusez-moi. Bref, donc plusieurs boutiques, il y a 3 boutiques en fait à l'intérieur de cette grande boutique décorative. Du coup ça reste une boutique fonctionnelle, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? On a les premiers soins, on a des caméras de surveillance, on a le bureau de la sécurité ici. Ok. Ah ouais, non mais frère, c'est une ville, hein, le truc, hein. C'est pas un parc d'attractions, hein. Ah ouais. Oh. Ah ouais, non mais là ils ont prévu que les gens se blessent, quoi. Là ils ont prévu que les gens se blessent. On peut apercevoir la tour infernale là-bas. On peut apercevoir une grande roue, un coaster en bois. On a une petite terrasse ici, on peut évidemment manger. Ah ben voilà, on peut choisir ici ce qu'on veut. Des lampadaires custom. Ah évidemment, vu la grandeur du truc, je vais passer à côté de pas mal de choses. Ok, donc on peut passer par exemple par ici. On a des panneaux, modern zone. Ok, donc là c'est la zone moderne. On a les noms des coasters, Gravity Coaster, Starway, Grande Roue et Panoramic Tower. Donc là on a ce flat ride. On va pas le faire, mais on va quand même rentrer dedans pour voir la file d'attente, comment elle a été faite. Ok, avec le petit scanner là, tac. Ok, bien thématisé, bah oui évidemment. Et franchement je... C'est complexant de ouf, hein. Ah là je pense que là il doit y avoir une image. Ouais, une image qui n'est pas que je n'ai pas malheureusement, mais bon, vous imaginez en gros qu'il y a quelque chose. Ok, c'est vraiment sympa ça quand même. La file d'attente là. Wow. Comment ils ont fait ça? Je veux. Ils ont mis un cascadeur donc de base. Et par-dessus, ils ont customisé un scaphandre. Comment ils ont fait ça? Avec une. Bah ouais, simplement avec une sphère, un ovale. Oh, mais c'est dingue! Et avec si peu de choses, on peut faire énormément de choses quand même. Hein. C'est magnifique. Bon, vous savez que moi je suis fasciné par l'espace.
Et là on rentre. Oh là là. Ah, je me sens naze avec mon parc d'attractions. Oh non, j'aurais jamais dû regarder ça. Bon allez, hop, salut. La sortie par ici. OK. C'est ouf. OK, déjà ça c'est incroyable. On va aller vers là-haut là. Alors zone détente. Ah, il y a une zone détente. Attends, je vais descendre. Là, on a une zone spectacle. Là, on a la tour infernale. Attendez, ça part dans tous les sens, c'est incroyable. Donc la file d'attente, OK. Fallait y penser ça quand même, hein, une file d'attente comme ça. C'est tout bête, tout simple. Mais en même temps, bah, c'est quand même vachement... Putain. Vachement la classe. Voilà, là t'as la tour infernale. Voilà. Et la sortie par ici. On a un coaster. Là, évidemment, moi je suis là pour les coasters. Alors les coasters qui ont été faits par Twi'lek 69 en tout cas. Ok. Ah. Ok. J'ai très très hâte, j'ai très très hâte d'essayer les amis, restez vraiment bien jusqu'à la fin de la vidéo. Hein, on fait un petit peu le watch time, on explore ensemble les petits jets d'eau. Eh, regarde comment il a fait. Eh, on n'est pas loin de mon idée à moi, et même que moi c'est mieux. Eh les gars, faut bien des fois que je me trouve des trucs bien, parce que là le parc il est quand même insane, et jamais de la vie je ferai un truc aussi stylé. On a les restaurants ici, très bien, avec le menu. Je suis en train de monter, je sais pas où c'est que je vais. Moon Arcade. Oh, ils ont fait une zone arcade. Ah ouais. Enfin je dis ils ont, mais c'est il a. Parce qu'en fait c'est PC Création qui a tout fait. Et le layout des coasters, c'est son copain du coup Twi'lek pardon. Donc là c'est vraiment PC Création qui a fait tout ça quoi. En 3 mois pour un concours. Eh, je me demande s'il a gagné ou pas le concours. Waouh, ok, une sorte de barrage du coup. Avec des observateurs. Attends, ils savent comment faire de l'argent quand même. Parce que bon là ça vaut pas le coup de mettre une pièce pour regarder. Qu'est-ce qu'on a là? Moderne zone. Ah voilà, bon bah là c'est pour aller à l'autre zone. Bon, on reste dans notre moderne zone. On va terminer quand même la moderne zone. Waouh, il a mis la lune pour la grande roue. Mais c'est du génie. C'est un truc tout con à faire parce que... Ah, c'est un truc tout con à faire, mais c'est... Fallait y penser quand même, hein. Fallait y penser quand même, en vrai de vrai, hein. Fallait y penser. Et la file d'attente, ils l'ont fait comment? Tu viens par là, il y a des bonbonnes. Ok. Ok, très bien. Voilà, bon, ok, simple. Simple, basique, efficace, pas cher, incroyable. Hop, je suis sur le toit du monde et je me retrouve bloqué sur le toit du monde. Ah, c'est gênant. Comment je vais faire pour redescendre, je ne sais pas. Du coup, moi, il y avait la zone détente là-bas je me demandais ce que c'était, zone détente. Ah oui, c'est vraiment... Tu te mets là, tu te poses, quoi. Wow. Bon, il y a que... Ouais, si, il y a quand même quelques sièges. Bon, là, t'as pas le droit de manger, j'imagine. Wow. C'est trop beau. La tour panoramique. C'est là? Non, je suis débile. Ah si? Ah non, mais c'est décoratif. Hein? C'est décoratif, on est d'accord. Tour panoramique. Oui, voilà, c'est une tour panoramique, c'est décoratif. Est-ce qu'il y a un toboggan, là? Ah non, je suis complètement con, j'ai cru qu'il y avait un toboggan. Là, il y a quoi, là? Ah bah, c'est le restaurant, d'accord, ok. Donc c'est décoratif, très bien. Bah écoutez, non, moi je veux voir donc le coaster qu'on a là. Alors déjà, comment on fait pour y aller? On prend l'escalier ici. On a un chemin ici aussi. Ah bah, c'est la sortie de la tour infernale qu'on a vue avant. Très bien. Bon bah c'est par ici directement. GeForce. GeForce Experience. T'as compris la blague? Alors 45 minutes d'attente. C'est par ici. Ok. Ok. Y'a pas de passe prioritaire visiblement. Ou peut-être que je l'ai loupé. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là le passe prioritaire. Qui sait? Non, ça c'est la sortie ça. Ça c'est la sortie. D'accord. Allez. Donc on va faire la file d'attente. Excusez-moi, je me prends les murs. Donc là. Ok. Ah, il y a une file prioritaire. Purée. Alors on va faire d'abord la file normale. Ah ouais, niveau lumière, franchement là on est. Alors comme dit, il manque malheureusement. J'avais pas pensé, je sais pas si on pouvait télécharger ou pas les panneaux d'affichage. Mais c'est franchement pas bien grave. On comprend déjà que. Mais même sans les panneaux d'affichage, y a pas besoin quoi. Là tu vois le coaster qui passe juste à côté. Oh là là, je crois que je vais avoir du mal à reprendre mon parc là. C'est la pire connerie que je viens de faire. J'aurais jamais dû regarder ce parc. Je me sens tellement nul. Ok, on arrive ici. On monte les escaliers. Et c'est la fin de la file prioritaire. On va la faire en sens inverse, la file prioritaire. Bon, ça doit être très rapide à mon avis. Ouais, voilà. Et puis ça revient là où on était juste avant. Ok, très bien. Ok. Bah écoutez, est-ce que vous êtes prêts pour le on-ride? Eh? Ah bah, ouais, en plus il a pensé à faire la zone de...
la zone, comment on appelle ça, la zone backstage, j'ai envie de dire, enfin pour rentrer le coaster. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu rentres le coaster à l'intérieur. C'est incroyable. Incroyable. Ok. Du coup, je vais arrêter le coaster, je vais lancer le test et on est parti, les gars, pour directement un on-ride. Alors, pas cinématique. Voilà, vue siège. C'est parti, les amis. On va même pas afficher les tests. Parce que de toute façon, j'imagine que ça a été relativement bien fait. Et on va voir comment ça va se passer, les amis. Tout simplement. Et on commence avec une petite vrille directement. Très bien. Ah, c'est un préfab, hein, je reconnais. Je sais même pas si on est sur du plat ou sur de la montée. C'est tellement déjà déroutant. Propulsion. Oh là là. Oh là là, excusez-nous. Ok, ça flash, il y a de la fumée. Le petit looping, si je puis dire. Ah ouais. On se retrouve là-haut, la petite zone de freinage tranquille, ça repart. Ça, ça a été fait main, ça je reconnais. Enfin, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça fait une longue attente pour un coaster rapide. C'est pour trouver quelque chose à dire. Franchement, oh, c'est propre. C'est propre. Ah ouais, il y a tout qui est dans le verre, mon ref. Hein. Ah ouais. Eh, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout le... J'étais pas au courant de ce concours de Banaïf à l'époque, je le suivais pas encore, je crois, Banaïf, ou je sais plus, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas du tout qui sont les autres participants, mais je sais pas pourquoi je me dis que c'est le gagnant, c'est pas possible. Enfin, quand je vois ça, c'est... Wouah, c'est dingue. Alors, attendez, résultat, échelle. Les forces G. Attends, tour précédent. Donc, bon, ça, c'est ok. Les forces verticales. On va pas au-dessus de 3G, s'il a 3-5, mais c'est rapide évidemment, là on a du 4G. Mais bon, du coup c'est ok. Ah ouais. Vous pensez, enfin franchement, putain. Ah vas-y c'est bon, bravo. Vas-y j'ai envie d'arrêter mon parc. Oh non c'est impossible, c'est trop fort ce qu'ils ont fait. C'est trop fort ce qu'il a fait, excusez-moi, le Futuroshop. Incroyable, un magasin futuriste. Non mais il y a des boutiques partout. Il y a des boutiques partout, c'est dingue. Moi j'ai fait moi dans mon parc. Moi dans mon parc c'est un bâtiment avec une boutique traditionnelle du jeu. Et je pensais que c'était bien. Oh c'est horrible, c'est horrible. Bon faut que j'arrête de me comparer et juste que je profite du moment. Alors bah vous savez ce qu'on va faire. Oh c'est fermé là. Oh. Ah ça doit être pour le personnel. C'est fermé ici, on n'a pas le droit d'y aller, je m'en fous j'y vais. On n'a pas le droit d'y aller mais le parc est fermé. Ok c'est du backstage. C'est totalement du backstage, très bien. Alors on va retourner au début ici et on va aller dans l'autre zone. Donc j'imagine il y a deux zones. Non, il y a trois zones visiblement. Visiblement il y a trois zones si je dis pas de bêtises. Alors qu'avons-nous là? Bah là j'imagine que ça rejoint pas du tout. C'est encore de la restauration frère. Non mais là je pense que quand tu ressors du parc tu dois être genre niveau calories tu dois être bon. Ok là ça va être backstage du parc. Je veux dire parking employé. Ah non, treehouse hôtel. Mais non, mais purée, j'avais pas compris ça comme ça. C'est des hôtels dans les arbres. C'est le principe d'ailleurs de Treehouse, bien sûr. Mais non, avec un toboggan. Oh là là, ils ont fait des petits toboggans. Super sympa ça. Tu prends la porte, tu rentres et puis tu te manquerais plus qu'ils aient décoré l'intérieur. Attendez, est-ce qu'on peut rentrer? Non, ils ont pas décoré l'intérieur. Il s'agirait de pas exagérer non plus. Voilà, ils ont pas fait l'intérieur. Eh, hey, faut pas déconner non plus hein. C'est magnifique hein. C'est absolument dingue. Ah ouais. Ah oui d'accord. Ah ouais. Ah ouais, la pétanque. Tu tires ou tu pointes? Oh, allez je pointe. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pétanque là. Un petit cerceau. Mais c'est quoi tout ça? Oh, mais tous les éléments qu'il y a, c'est absolument dingue. Tous les détails. Non mais là. Et en plus il y a un coaster qui passe en dessous. Un water ride qui passe juste en dessous. Ah ouais c'est les c'est les bouées. D'accord très bien. Ah oh, c'est chouette. C'est très très chouette ça. Ok bah écoutez, on va rentrer de nouveau dans le parc. Par ici. Ah ouais ça fait le tour et tout. Dragoon, Witchcot, Iron Throne, Resto, Pré-Sisto et sorti. Raftosaur. Ah là c'est le raft. Voilà justement qu'on a vu avec la file d'attente. Ah ça va. Ça c'est mon niveau ça. Ça je sais faire les files d'attente comme ça. Qui est très 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 joli. Voilà. Ah il a utilisé des bambous classiques. Moi je fais des lampadaires custom. Incroyable. Oh j'ai hâte de faire ce coaster là aussi hein. J'ai hâte de faire ce coaster là aussi.
D'accord, pareil, une nouvelle zone de buff, je sais plus comment on dit. Et il n'y a pas de passe prioritaire. Pas bien ça, hein. Je rigole. Ok. Raftosaur. Bon, on va pas le faire. On va pas le faire parce que c'est un petit peu terrible. On sait que sur Planet Coaster, malheureusement, tu peux pas. Wesh! Il a carrément. Non, mais c'est trop. Il a pensé à ces détails-là, là? Non. Mais moi, jamais de la vie, je pense à ça. Et là, ça va se baisser pendant. Ça va se baisser là? Quand il va partir? Mais à quel moment tu penses à ça en fait? Ça me rend fou! À quel moment tu penses à ça? Même, j'avoue, des fois j'ai des petites idées originales. Mais alors ça, pour le coup, jamais, jamais t'y penses. Jamais t'y penses. Mais c'est du génie, il a utilisé la grille là, c'est ça, la grille qui s'ouvre, oui, tout ça. Je vais obligatoirement plagier cette idée. C'est incroyable! C'est incroyable. Alors il y a les petits dinosaures. Ça descend par ici, donc on va y aller en accéléré. Avec une jolie cascade, des dinosaures partout, c'est incroyable. Alors ça, c'est toujours embêtant malheureusement sur ce jeu, c'est que quand t'es loin des cascades, c'est ok, et quand tu te rapproches, la cascade disparaît. Et ça, c'est vraiment pénible. Voilà, je voulais le dire. C'était mon petit coup de gueule, hein, Planet Coaster, je sais que tu t'en fous, puisque de toute façon, tu ne fais plus de mise à jour sur le jeu, mais ok. Bienvenue dans le monde des dinosaures. Tu nous fais quoi là? Tu t'es cru sur le Titanic? Incroyable. Bon, on passe par ici, on a une petite cavité. Il est en train de lui pomper le dard. Ah non, il est en train de le manger! Hey, il est en train de manger son copain! Dégueulasse! Ok, ça continue par ici. Ah ouais, la spirale. La spirale. Ah ouais, les pierres. Ouais, tu vois, ça, c'est ça. Ça prend tellement de temps à faire ça. Mais ça fait tellement tout. Mais c'est tellement long par contre. Ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire de thématiser les bouées en faisant ça. C'est trop chiant. C'est trop chiant à faire. Moi, ce qui me rend ouf, c'est qu'il a fait ça en 3 mois. Mais la vérité, si tu passes par là en commentaire, dis-moi. T'as fait ça en 3 mois, mais genre. T'as dormi des fois ou. Je veux dire, truc de ouf quoi. Incroyable. Incroyable, ça continue là. On a Totor l'alligator. Puis il est long le. Il est long le bordel. Ah, c'est la zone backstage qu'on a vu juste avant. Ah ouais, si jamais il y a un problème ou quoi, putain, mais ça a été tellement bien pensé. Si jamais le machin il est en panne. Mais oui, ce truc il est en panne, comme ça on réceptionne ici. Non mais c'est de la folie. Voilà, c'est de la folie. Et la sortie par là. Bravo, franchement bravo. Les lampadaires custom, j'aime bien ça. Alors il a fait comment? Il a fait les piliers de maison hantée. J'essaye de voir, hein. Des fois j'aime bien m'inspirer des choses. Ok. Et on se retrouve je ne sais où. Du coup, on va aller là. Encore à manger. Que des trucs à manger. Non, mais faut arrêter les conneries, quoi. Hein. Par contre, je veux vraiment aller dans ce parc dans la vraie vie. Avec du monde. Et du coup, est-ce que de jour, ça marche aussi, je veux dire, ou pas? Bon, en vrai, ça passe bien de jour aussi, hein. En vrai, ça passe bien de jour. Un petit shop. Comme d'hab, voilà. Mais je pense que je vais faire pareil dans mon parc. Je vais customiser des vrais shops. Maintenant, j'ai compris ce que vous, à quoi vous pensez quand vous parlez de faire un vrai shop. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, ça n'a pas d'intérêt de faire ça si ce n'est pas fonctionnel. Mais en fait, le mec, il l'a fait, mais il l'a rendu fonctionnel tout bêtement. Fallait y penser, fallait y penser. Voilà, j'y ai pas pensé. C'est bon. Salut toi. Wesh, il m'a vraiment regardé en plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben on a un coaster visiblement. Mais c'est quoi le coaster? Mammouth. Ah non, c'est un flat ride. Ah purée, d'accord. C'est tellement bien thématisé que tu vois même pas le. Attendez, je vais faire un truc que vous allez tous m'insulter, je m'en bats les steaks. On est là pour ça. On est là pour ça. Voilà. C'était ça que je voulais voir. Putain, c'est dingue. Le Neandertail, 45 minutes d'attente. Là, on est sur un coaster niveau 4. Donc là, on est sur le level d'au-dessus. Hein. On est sur le level d'au-dessus avec fil prioritaire ici. Ça rejoint direct là. Parfait. Nous, on n'a pas l'argent pour ça. Donc on va faire toute la file évidemment pour tout regarder. Ah, là, il n'a pas eu le temps de faire des. Moi, j'aurais mis des fleurs ici. Vous avez compris pourquoi je dis ça. Hein. Je suis pas du tout en train de dénigrer. Vous avez compris que. C'est juste parce que je ne vois rien d'autre de négatif à dire. Le parc est tellement complet. C'est incroyable. C'est absolument fou. Ah ouais, j'avais pas capté qu'on passait en dessous du. Ouais. Ok.
Ok. Donc là, on a. Voilà, on peut. Hop là, on va passer en dessous. Ni vu ni connu. Ah oui, c'est vraiment un long S. Magnifique. Là, on est directement dans le coaster. Alors là, il n'y a pas de problème, je fais la file d'attente avec grand plaisir. Là, il n'y a pas de problème, je fais la file d'attente avec grand plaisir. Hop, on arrive. Et on est prêt, il nous attend déjà, c'est magnifique. Alors attends, hop, hop. Et c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Hey! Salut, madame! Hey, t'as vu, j'ai pas peur, je suis tout devant. Allez, c'est parti! Pour la montée. Ah! Est-ce que ce ne serait pas peut-être un peu trop rapide d'arriver directement sur le truc sur la section montée crémaillère? Je ne sais pas, je. Aucune idée. Fallait que je dise quelque chose. Ok. Oh non. Annule. Il faut qu'on fasse ça de nuit. Je viens de remarquer qu'il y avait des lumières sur les côtés là. Il a mis des lumières sur les côtés et ça va m'inspirer parce que je ne sais pas comment éclairer mes coasters de manière stylée. Et là, je crois qu'on va avoir la réponse. Pas du tout. Ah mais en fait ça fait pas ce que j'imaginais. En fait je pensais que ça allait faire de la couleur et tout sur le coaster, mais pas du tout. C'est juste pour le RP de mettre de la lumière. D'accord, donc rien à voir. Mais c'est pas grave, on va le faire de nuit aussi, c'est quand même bien de le faire de nuit. À 17h. Non, 18h. Voilà. Allez, ça repart, excusez-moi. Je voulais voir ce que ça faisait. Je mets en accéléré de nouveau. Hop, je vous remets la scène que c'est un peu rapide. Et on monte! Visez la lune! La caméra, bien sûr. Ah, c'est intelligent ça de faire ça comme ça, d'accord. Ok, donc je prends note. Allez, c'est parti! Oh, on est à frais perdu ou quoi là? Wouhou! Ok! Mais ça va ultra vite par contre. Ah ouais! La photo. Bah là, vu ce qui vient de se passer, t'as plus de dos normalement. Là, ton dos, il est mort. Alors là, on a le garage. Évidemment, nous, on va pas au garage. Ok, nice. C'est bon ça. Alors, n'hésitez pas à donner des notes au coaster. Ce que vous pensez des coasters, si, voilà, sur 10, quelle est votre note? Moi, je trouve que... Il est ultra violent. Je trouve un peu rapide. Alors je ne sais pas du tout. Voilà, moi je. Aucune idée de. Après, c'est un parc fictif. Non, ouais, en vrai, c'est plausible. Après, je me dis, est-ce qu'il va pas un peu vite pour un peu, tu vois, pour un monster, un peu The Monster, tu vois. Je veux dire. Dans un truc bien en acier ou comment dire, un coaster, je m'y connais pas, hein, je préfère disclaimer, je m'y connais pas, je dis juste mon hypothèse à moi. Mais est-ce que cette vitesse-là ne se serait pas plus appropriée sur un vrai coaster? Je veux dire, je dis pas que c'est pas un vrai coaster, au contraire, c'est super bien entretenu et heureusement, mais c'est ultra, moi justement, ça me rassure jamais ça. C'est comme le Vaudan, voilà. Est-ce que ce serait pas mieux sur un coaster de type hybride, comment, de type, voilà, tac, russe en acier, ouais, ou hybride, voilà, mais. En bois, ça me paraît rapide de ouf, quoi. J'ai l'impression que le bois, il travaille vachement trop, trop, trop. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, évidemment, c'est une masterclass, j'ai envie de vous dire. La sortie, c'est par ici. Hop. Maintenant, il faut qu'on trouve les toilettes parce que j'ai envie de pisser. Et on a une boutique souvenir. Ride Photos. Les photos, bien sûr. En plus, elle est super mignonne, la madame. Donc là, c'est une fausse boutique, bien sûr. Très bien. Ok. Ok. Alors, bah il y a des panneaux partout, donc ça c'est parfait. Par contre, il n'y a pas les toilettes. Ah, regardez, salut Banaïf. Ah, c'est rigolo ça. Hey, regardez, c'est écrit salut Mkolo. Alors, du coup, Hard Silex Café. Oh là là, mais on boit partout. Bon là, c'est du café, très bien, c'est bien. Wow, c'est monstrueux, hein. Mais comment il a fait les allées? C'est ça ma vraie question là. Ah, en fait, c'est juste un pattern absolument carré. Donc en réalité, les visiteurs peuvent traverser les murs. D'accord. Putain. Mais c'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé, ça me frustre. Allez, nouvelle zone. Non, pas du tout, on était déjà là justement.
Ok, alors attendez, on va prendre un peu de hauteur. Maintenant qu'on a un peu tout vu, on va se permettre de remettre le jour. Nous on va là, dans cette nouvelle zone. Donc là c'est plutôt médiéval j'imagine. Ouais, médiéval zone, putain je suis un génie. Dragoon. Allez, c'est bon, là c'est enfantin. On va voir. Moi les coasters enfantins je m'y connais. Je pourrais dire si c'est trop violent ou pas. Et là on pourra pas contester ce que je dois dire. Parce que moi, si je vous dis que c'est trop violent, c'est que c'est trop violent par contre. Allez, on va voir ce que ça donne pour le Dragoon. Est-ce que on tente le diable et on se met genre tout derrière? Parce qu'on est des zinzins. Allez. En général, il faut pas faire ça sur Planet Coaster parce que c'est jamais trop réaliste. Donc voilà, soyez bienveillants envers le layout. En général, c'est vrai que c'est pas très réaliste quand tu te mets derrière sur Planet Coaster. Il n'empêche que si du coup, la sensation est incroyable, c'est que le coaster est ultra réussi, évidemment. Allez, est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Ouais! C'est parti! Ok! Hop là, on s'est pris la roche dans la gueule. Non, c'est pas vrai. Ok! Bon, ben... Ok, bah c'est bon alors. J'ai rien à dire. C'est déjà fini. Alors là, l'enfant en moi serait ultra frustré. J'espère qu'il y a un deuxième tour. Hein. J'espère qu'il y a un deuxième tour. Hein. Ah oui, il y a un deuxième tour quand même, voilà. Ah oui, non, non. Là, l'enfant frustré en moi, ça aurait été quand même une plaisanterie. Bon, bah j'imagine il y a deux tours. Peut-être pas trois. Vu quand même la longueur du layout, je pense que c'est deux tours max. S'il y en a trois, bravo. Mais je pense qu'il y en a deux. Oh, on fait un entier, les gars. Eh, on profite un maximum. Faudra qu'on aille voir le volcan aussi parce qu'il m'intéresse plutôt pas mal. Ah ouais. Et on se reprend le caillou dans la gueule de nouveau. Non, c'est pas vrai, encore une fois, je... Ah, c'est chouette. C'est très très chouette. J'aime bien. Ah, j'aime bien. Bon, allez, je sors avant. La sortie, bien sûr, c'est par ici. Hop. On descend. Et voilà le travail. Ah ouais, ça fait une grande sortie. Bah, ça tombe bien, c'était l'entrée. Je me suis trompé, la sortie elle est là, je suis débile. La sortie elle est là. Ok, très sympa, voyons voir là-bas le volcan. Ah ouais. Ah putain. Ah, fallait y penser. Fallait y penser. Là dans le raft on le voit très très bien. Oh, ça rend incroyable. Et tous les endroits sont... Tout peut être un screenshot en fait, tellement le parc est bien fait. Franchement, un grand bravo, hein. Grand 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 bravo. Encore un nouveau shop. Ah, par contre là il est tombé lui là. Attends, excusez-moi, hein, ça me stresse. Hop. Le mec trop casse-couille. Voilà. Il avait exprès fait tomber pour que ce soit justement bah, genre un peu réaliste. Bah voilà, moi ça me stresse. Voilà. Nice. Donc la zone future on la connaît. On a les bûches. Oh, je veux faire les bûches. Last Stronghold. Ça doit être ça. 45 minutes. Et là il y a les photos à la sortie là. Trop bien. Allez, on rentre par là. On a la file rapide ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le jour se lève. Moi je prends la file rapide, rien à péter. Je regarde quand même un peu comment c'est fait. Ok, très bien. Hop. Ah ouais, c'est très médiéval. C'est cohérent, c'est le principe de la zone. Alors on va se mettre tout derrière. Avec sa grosse tête, on voit rien devant, putain. On va se mettre en accéléré. Accéléré. Ah, par contre, il y a des détails malheureusement qu'on voit pas forcément. What? Attendez. On va peut-être pas faire le on-ride. C'est toujours plus intéressant de le faire en. On a une file d'attente là-haut, je rêve pas. Ah oui, il y a une file d'attente là-haut. Ou alors, c'est pas une file d'attente. Twitch 4. Si, c'est une file d'attente pour un autre. Pour un autre. Mais pas du tout. Attendez, mais qu'est-ce que c'est ce truc là? 45 minutes. Twitch 4, quoi? Mais ça va où là? Attendez. Donc là on passe, il y a les bûches juste à côté, ce qui est absolument excellent. On a un box à cheval juste là. Très bien. On continue de suivre le chemin. Ok. Ok. Oh bordel. Witch game. Les chats en 9 vies. Aurais-tu trouvé les 9 chats cachés? What? Mais non. D'accord. Ouais, mais on est passé où là? Oh, je suis perdu. C'est tellement bien fait. D'accord, ok. Ok. Bon, allez, donc là, on monte.
Attendez, on va quand même faire le on-ride, excusez-moi, là je pars dans tous les sens. On va se mettre en accéléré. Putain, c'est dingue. C'est absolument dingue. Et si vous avez fait attention aux détails, alors j'aime bien voir les détails, mais vous voyez, pareil, là il y a la petite zone de... La petite zone de, bah si jamais on doit récupérer les gens, bah on peut récupérer par là quoi. C'est impressionnant comment ça a été bien pensé. Vous inquiétez pas moi, mon parc il sera peut-être pas aussi bien, mais je vais essayer de penser à ce genre de détails. Mais après ça reste quand même de la finition quoi. Ça reste quand même de la finition, tu fais pas ça dès le début, voilà. Allez, le premier drop. Wouhou ! Ah là là, mais ça m'énerve ça. Comment il fait ? Comment il fait ? Excusez-moi. Comment il fait pour avoir l'eau là ? C'est pas possible d'avoir de l'eau à cette hauteur, ça ne marche pas. Comment il a fait ? Ah non, mais ça c'est le truc même débuche ça. Ah mais oui. Ah, il a entouré de murs tout simplement, je suis débile. Oh là là, je suis trop con. Et en plus, il a fait une animation d'eau qui oh là là. C'est des détails, ça fait tellement tout. Et en plus tu passes... Non mais frère, c'est trop, il y a tout qui se chevauche, c'est incroyable. L'autre qui te vomit dessus là, il te crache dessus un molar, je sais pas quoi. Incroyable. Non, c'est trop. Oh, tu passes à côté de la station en plus. Non mais tu montes là. Petite cheminée. Tu descends là. T'éclabousse des gens, bah t'éclabousse les visiteurs qui font la file d'attente, j'avais pas fait attention. Tu passes là, tout le monde te voit. Et t'arrives là à la fin. Non mais c'est dingue. Non franchement le parcours est vraiment monstrueux. Franchement le parcours est vraiment monstrueux. Là pareil vous mettez votre note mais franchement chapeau. Donc là on a les chaises volantes, non c'est franchement chapeau. Tout a été vraiment, vraiment bien pensé. Là t'as les canons. Butterbeer. Carrosker. Petit carrousel. Petite place pour déguster bien sûr. Et là c'est les fameux trucs de chat. Et en fait, ah ouais, parce que je me disais, je comprenais pas comment on a fait pour traverser. Il y a un pont ici, je l'avais pas capté. D'accord, c'est quoi ça? Point d'information, d'accord. Donc les fameux witch cat, bon on va pas faire ça. Ah si, on va faire. Ça m'a l'air d'être un dark ride. Ça m'a l'air d'être un dark ride. Mais bien sûr c'est un dark ride. Oh, bien sûr on fait. Allez go. C'est parti. Attends, je vais mettre juste un accéléré le temps que ça se lance. Ok, cela se lance. Donc il faut trouver des chats. Il faut trouver des chats. Le petit chat. Bah là il y en a un. Là il y a un chat là. Je suis pas débile. Ou j'ai juste pas compris ce qu'il fallait faire peut-être. Ok, on est dans la cour du château de la Belle au Bois Dormant ou quoi là. Ok, ça monte. Ça, c'est vraiment bien d'avoir vraiment fait le sol. Moi ça me fascine. Bon, je vais mettre en accéléré. Mais le travail qui a été fait, c'est quand même monstrueux quoi. On se rend peut-être pas compte. Alors la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, bon vous connaissez Planet Coaster je pense, évidemment. Mais ceux qui connaissent pas, je pense que bah tu peux pas te rendre compte du travail que c'est. Mais quand tu sais, c'est juste aberrant. Bon bah c'est fini, j'aurais vu qu'un seul chat. Non c'est pas fini pardon. Waouh, y'a tout qui vole. Oh y'a un chat là, j'ai vu un chat. Oh. C'est cool. C'est cool. Ça c'est mille fois mieux qu'un train fantôme quand même. Ça a beaucoup plus d'intérêt. Ah ouais. D'où la table elle vole. J'ai jamais vu une table volée par contre sur le jeu. Je suis peut-être un petit peu débile. D'accord. Ah bah c'est chouette. Porte de secours. Faut que j'y pense aussi. Franchement c'est carré hein. Et là on redescend, je mets un petit peu en accéléré. Ah bah on a le garage là-bas derrière pour pouvoir remettre les... Ah ouais. Il est long le parcours quand même en vrai hein. Ah il est vraiment long le parcours. Oh un coq. Il y a un chat là aussi. On en a vu pas mal des chats quand même. Et c'est fini. Ok par contre en vrai de vrai, faudrait que j'y pense ça.
Des stations pour coaster. Il n'y a pas besoin, en fait, t'as vu, de faire un truc trop, trop complexe ou quoi. Ce qu'il a fait, il a fait comment? Il a fait... Attends, où c'est qu'il a fait déjà? Attends, mais je suis perdu, là, je suis en train de me perdre. On vient de là. Là, voilà. Il a juste fait ça, et à l'intérieur, j'imagine, il n'y a rien. Bah oui, à l'intérieur, il n'y a rien. C'est une bonne idée. Et juste faire un bâtiment, et pas besoin de se casser la tête à faire un truc trop complexe. Ok. Je vais vraiment prendre ce parc d'attractions comme exemple pour pas mal de choses. Tu vois, tout bêtement, même pour ça. D'accord. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez du parc. Moi, je suis absolument émerveillé. Comment il a fait la station, par exemple, pour celui-là, là? Est-ce qu'il y a une station, déjà? Non, il a pas de station, lui. Lui, il a pas besoin de station, puisque c'est un seul wagon qui reste à l'abri, visiblement. Qui c'est qu'il y a une autre station? Lui, là, par exemple, tu vois. Lui, il part là-bas. C'est tout, quoi. Ni plus ni moins. Mais c'est vachement bien fait, quoi. C'est vachement bien fait. L'autre là-bas. Là, c'est pareil. Ouais, putain, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Bon, bah, c'est vraiment, vraiment chouette. Je crois qu'on a fait tous les coasters. Deux coasters à sensation forte, un coaster pour les plus jeunes, un flume à rafting. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Vraiment, vraiment, vraiment ultra chouette. Je. Puis on se perd pas. Ah, il y a des toilettes là. On se perd pas maintenant. On a compris les trois zones. Zone médiévale, zone futuriste, zone dinosaure, Jurassic World, machin. Au début, tu te dis, c'est gigantesque et tu en perds la tête. Et c'est comme tout, hein, c'est même dans les vrais parcs d'attractions, souvent, quand tu connais pas la première fois. Après, une fois que tu connais, tu te dis, bon, ben, en fait, le parc, il est ultra simple et tout. C'est rigolo, quoi, c'est exactement ça. Je trouve ça vraiment chouette. Quand on a commencé la vidéo et que j'ai vu de haut comme ça, j'étais en mode, waouh, comment on va faire? On va pas s'en sortir. Et puis là, au bout de 40 minutes, ben voilà, maintenant, je visualise un petit peu toutes les zones. Et franchement, bravo pour le travail. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bombardez la barre de like, mettre des GG dans le chat. Donc voilà, vraiment bravo PC Création. Et puis Twilek69 qui l'a épaulé pour les layouts des différents coasters. Franchement, c'est ultra propre et j'ai ultra kiffé. Si ça vous intéresse que je visite vos parcs d'attractions, alors pareil, ne vous attendez pas à ce que je fasse ça ultra régulièrement. Pareil, ne le prenez pas mal si je ne donne pas de retour à votre parc, si je ne visite pas votre parc, que j'en fais pas une vidéo, ne le prenez pas mal, soyez patient également. N'hésitez pas, je mettrai en description le lien du formulaire. Merci à vous pour votre confiance, évidemment, et franchement, bravo pour ce travail absolument monstrueux. Petit clin d'œil à Banaïf également. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Franchement, un gros GG. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.